Ici c'est Hugo du collectif Teammate pour un nouveau tuto PHP. Alors aujourd'hui nous allons continuer le tuto gratuit création d'un captcha. Donc ce tuto est disponible sur notre site internet, donc dans les catégories tuto gratuit. Donc bien sûr vous pourrez télécharger ici les sources pour suivre ce nouveau tuto. Alors, pour réaliser ce tuto, nous aurons besoin d'un serveur local afin que votre navigateur puisse interpréter toutes nos pages PHP. Donc, pour les utilisateurs PC, donc, vous pourrez télécharger EasyPHP. Donc, il est gratuit, hein, donc téléchargeable sur leur site internet. Donc, il y a des petits tutos pour l'installer, voir un peu comment il fonctionne. Hein, on en trouve beaucoup sur internet. Et pour les utilisateurs Mac, donc je vous conseille MAMP, donc là pareil, hein, c'est un serveur local très facile d'utilisation et gratuit bien sûr. Donc on va commencer ce tuto par donc, retrouver les fichiers que nous avions créés dans le tuto précédent création d'un captcha. Donc il y a le captcha.php, l'index.php et le vérification.php. Nous avions aussi installé une police. Donc nous allons commencer par ouvrir notre index PHP, notre vérification.php et notre captcha.php. Donc, comme nous avons déjà créé notre captcha, nous n'allons pas toucher à ce fichier ici, mais je vais vous faire un petit tour d'horizon rapide des fonctions que nous avions utilisées dans la page pour ceux qui n'ont pas suivi le premier tuto. Alors, donc, nous avions commencé par créer une session start. Donc, cette fonction crée une session ou restore celle trouvée sur le serveur. En fait, si les personnes vont naviguer sur votre site internet, ils ne perdront pas les données entrées dans notre formulaire et plus particulièrement dans le captcha lors de la visite. Donc ensuite, le $session captcha est égal à rand 1000 9999. Donc ici, ça signifie que nous stockons un chiffre aléatoire, donc grâce à la fonction rand, donc qui veut dire random, donc qui veut dire aléatoire en français. Donc nous stockons un chiffre qui va être compris entre 1000 et 9999 dans une variable de session captcha. Donc évidemment, donc le chiffre comportera toujours 4 chiffres, donc 2000 à 9999. La fonction image create true color. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça crée une image supportant de la couleur. Donc cette image aura une taille de 70 pixels de large et de 30 pixels de haut. On stocke tout cela dans une variable $img. Donc ensuite, le imageColorAllocate définit une couleur pour une image. Donc c'est assez simple, on prend l'image que l'on vient de créer, c'est-à-dire $img. Et avec du RVB, nous mettons un fond à notre image. Donc 230, donc couleur RVB, ça correspond à un gris très clair. Nous on avait choisi ça, après on avait dit que vous pouviez mettre autre chose, par exemple du 255 255 255, donnera tout simplement du blanc. Donc nous stockons tout ça dans une variable $file color. Donc ensuite le image file rectangle donc va dessiner un rectangle de couleur gris dans l'image. Donc couleur gris dans l'image, c'est le file color. Donc on commence par le sommet supérieur gauche. Donc nous avons le point 0 en abscisse, 0 en ordonnée, en finissant au sommet inférieur droit, c'est-à-dire 60 et 30. Donc, 70 et 30, pardon. Donc 70 et 30, c'est quoi? C'est tout simplement la taille que nous souhaitons pour notre image de captcha. Donc le coin supérieur gauche, donc 0, 0, est tout simplement l'origine de notre image. Donc, en gros, on commence de là et on finit comme cela. La variable textColor nous permet en fait de stocker une couleur pour notre chiffre qui sera affiché sur le captcha. Donc le chiffre, nous on a défini toujours une couleur en RVB. Donc 10, 10, 10 qui correspond presque à du noir. Donc en gros, les chiffres qui seront sur notre image de captcha seront en noir. Ensuite, le $font, donc ça c'est tout simplement on stocke le police.ttf, donc
qui est ici, tout simplement, on le stocke dans une variable $fond. Donc on dit qu'on veut utiliser cette police pour notre captcha. Donc ensuite, le image TTF texte nous permet d'écrire un texte sur une image avec une police TTF. Donc là, il y a pas mal de paramètres. Donc je vais vous expliquer un peu tous les paramètres. Le $img, c'est tout simplement notre image de départ. Le 23, c'est tout simplement la taille que nous voulons pour notre police. Le 0, c'est si on veut pencher notre texte dans un angle ou dans un autre. Donc évidemment, donc on va mettre par exemple 40, donc le texte sera penché de 40 degrés, donc et moins 40 de l'autre côté. Le chiffre 5, c'est les coordonnées données par X qui définiront la position du premier caractère. Donc le coin en bas à gauche du caractère. Donc en fait, c'est tout simplement, là on va dire qu'on veut partir à 5 pixels du bord de notre image. 30, c'est ce qui définit la position de la ligne de la base de police. Donc évidemment, comme notre captcha va faire 30 pixels de haut, on lui dit qu'il ne faut pas dépasser ces 30 pixels. Donc le text color qui est ici, c'est la variable qui nous sert à dire de quelle couleur voulons-nous que notre texte apparaisse. Le $fond, comme je vous ai dit précédemment, c'est tout simplement la police que nous souhaitons mettre à notre captcha. Et enfin, nous stockons tout ça dans notre variable de session captcha. Donc, en bas, nous avons donc le header. Alors, qu'est-ce que c'est le header? C'est ce qui nous permet à dire à notre page que nous allons afficher une image dans cette dernière. On dit à notre navigateur, en gros, ce qu'on veut afficher, c'est une image JPEG. La fonction donc, image JPEG nous permet d'envoyer l'image vers le navigateur. Et la fonction image destroy libère toute la mémoire associée à l'image IMG. Donc voilà, pour ceux qui veulent approfondir un peu plus les tests de captcha, je vous conseille donc de regarder notre premier tuto donc, qui est disponible dans la catégorie tuto gratuit sur notre site internet. Donc, nous allons maintenant retourner dans notre index.php, donc index.php que nous avions créé dans le tuto précédent sur la création du captcha. Donc nous allons le modifier, ce fichier. Donc dans un premier temps, nous venons effacer tout ce qui se trouve entre nos balises formes. Donc là, nous allons taper un peu de code et tout de suite après, je vous explique à quoi ça correspond. Donc nous commençons par ouvrir et fermer une balise P donc pour un nouveau paragraphe, pour aérer un peu notre formulaire. Donc nous venons taper nom, prénom. Donc on peut mettre une petite étoile, ça sera pour les champs obligatoires. Notre petit BR. Input type, donc là nous mettons texte. Nous allons mettre un nom à notre input. Donc évidemment le nom ici, ça sera nom. On met un identifiant, nous en gardons même le nom, et on va mettre un petit placeholder pour que ce soit un peu plus graphique. Mettons votre nom et nous fermons notre input. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour gagner un peu de temps, parce que c'est pas très marrant de taper du code comme ça, nous allons venir coller ici en dessous. Ici nous allons mettre email, donc attention input type, nous mettons email aussi. Nous allons mettre un nom email, email, et ici votre email. Voilà, donc c'est un peu plus rapide. Nous allons en dessous faire la même chose, nous collons tout cela. Ici, nous allons mettre sujet. Donc, nous gardons un input type texte. Par contre, évidemment, le nom, nous allons le modifier en sujet. L'ID, l'identifiant en sujet aussi. Et ici, on peut mettre quel est votre sujet. Après, évidemment, pour le placeholder, c'est ce qui apparaîtra dans le champ du formulaire quand l'internaute n'aura pas encore cliqué dedans. Donc, évidemment, vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc
en dessous. Allez, on change pour une équipe qui gagne, on va faire la même chose. On va mettre donc à la place message. Donc là, attention, donc petite variante, on va mettre, on va enlever tout ça, donc jusqu'à l'ID. On va mettre texte area. Donc ID, nous mettons message. Donc en name, on va le mettre aussi. On va mettre message aussi. Hop. En place order, on met votre message, hein, par exemple. Et attention, là, il va falloir fermer la balise du texte area. Donc pour ça c'est ok. Hop, voilà. Donc qu'est-ce qui va rester à nous faire? Oui, donc on va faire évidemment l'affichage du captcha. Donc on met recopier ce chiffre. On met un petit H3 pour que ça ressorte un peu plus. En dessous, on fait un image source. Donc ici, nous allons récupérer notre captcha. Donc nous disons que notre captcha est enregistré dans la page captcha.php, donc, qui est ici. Hein. C'est ici qu'on a créé notre captcha. Donc on lui dit qu'il faut aller le chercher dans cette page. On va mettre un br ensuite, comme ça. On va mettre un input type texte. Donc ici ça va être pour que l'internaute retape notre captcha. On va lui mettre donc en nom captcha aussi. On peut lui mettre un petit style aussi. Hop, style, on va lui mettre 70 pixels car on avait dit que notre captcha ferait 70 pixels de large. On met, on ferme, on met un petit br. On peut mettre en dessous, on peut mettre une petite phrase pour dire que à chaque fois les champs avec étoiles sont obligatoires. Donc là je les ai tous mis. Bon après c'est à vous de décider comment vous voulez créer votre formulaire, hein, bien sûr. Tous les champs avec une étoile sont obligatoires. On peut même le mettre dans un petit P, ça. Ça sera plus joli comme cela. Et donc il nous reste à mettre évidemment le bouton pour envoyer le formulaire. Donc un bouton pour envoyer le formulaire. On fait un input type et ici nous allons mettre un submit value. Donc value c'est tout simplement ce qui va s'afficher sur le bouton. Moi je vais mettre envoyer, si vous voulez mettre autre chose vous pouvez. Hop, voilà, comme ça. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu à quoi tout cela correspond. Les formulaires sont délimités par les balises form, donc la balise ici et la fermeture qui est ici. Donc c'est une balise qui permet de regrouper tous les éléments de notre formulaire. Donc l'attribut action, qu'est-ce que c'est? Donc l'attribut action, ça indique en fait l'adresse où l'on veut envoyer le formulaire. Donc, nous allons voir tout de suite après la page vérification qui va nous permettre en fait de vérifier si l'internaute a bien rempli son formulaire, s'il a bien rempli le captcha. Donc la page que nous allons voir tout de suite après. Donc nous disons, on transmet toutes ces informations vers la page vérification.php. L'attribut méthode indique sous quelle forme seront envoyées les réponses que l'internaute va entrer. Donc nous avons choisi la méthode post. Donc la méthode post, c'est la valeur qui correspond à un envoi de données stocké dans le corps de la requête. Alors on peut aussi mettre un méthode égale get qui correspond à un envoi des données codées dans l'URL. Donc nous, on prend pour l'instant la méthode post. Donc ensuite, tous les boutons de type texte que nous avons ici serviront à l'internaute à entrer ses informations.
Donc son nom, son prénom, le sujet, ce qui va nous servir aussi, enfin ce qui va servir surtout à lui pour recopier le captcha. Nous n'oublions pas non plus évidemment de nommer tous nos boutons grâce au name, et nous ajoutons donc aussi l'attribut ID qui va nous permettre de récupérer les informations sur notre page vérification.php. Donc c'est ça qui va faire le lien entre cette page et la page vérification.php. Le placeholder, bon ça c'est plus on va dire esthétique, hein. C'est un attribut qui permet de renseigner un texte par défaut dans le champ de formulaire. Donc cette valeur en fait va s'effacer dès que l'internaute va cliquer donc, ou activer le champ du formulaire. Le texte area permet à l'internaute d'écrire un message où il y aura plus de visibilité. En fait c'est comme un input texte sauf que le champ sera beaucoup plus grand, donc beaucoup plus large, beaucoup plus haut. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le image source égale captcha.php nous permet d'afficher le captcha que nous avons créé dans la page captcha.php tout simplement. Et enfin, le bouton type submit, donc, qui veut dire soumettre hein, en français, va envoyer notre formulaire. Nous allons regarder donc à quoi ressemble notre formulaire. Donc évidemment, une fois que vous aurez installé EasyPHP, vous aurez une petite icône ici, on fait un clic droit, web local. Voilà, donc voilà à quoi correspond notre formulaire. Nous avons bien le nom, l'email, le sujet, le message. Donc évidemment, le captcha qui s'affiche. Donc l'internaute recopiera le captcha ici et cliquera sur envoyer, tout simplement. Donc évidemment, pour l'instant, bah, même si on clique vérification.php, on n'a pas récupéré les informations de l'internaute. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc nous allons dans notre page vérification.php et bah, tout d'abord on va récupérer ce que l'internaute aura rempli dans tous ces champs là. Alors pour cela, comme tout à l'heure, on va taper quelques lignes de code et je vous explique ensuite à quoi cela correspond. Nous commençons par $nom, donc qui est une variable dans laquelle nous allons stocker le nom de l'internaute. Une petite fonction qui va nous permettre de mettre le nom en beau format. Hop, $post. Entre crochets et guillemets simples, on met nom. On ferme le crochet, la parenthèse et le point virgule. Donc, comme tout à l'heure, un peu flemmard, on va reprendre ça. On va le coller en dessous. Donc, on va mettre le mail. Alors pour le mail, on n'a pas forcément besoin de cette fonction là. Ici, nous mettons email. En dessous, allez, hop, on va mettre subject, donc UTF-8 décode, $post, et là on met le sujet. La même chose en dessous pour le message, donc variable message UTF-8 décode, et à la place du nom évidemment nous mettons message. Donc attention, en dessous ça va être un peu plus compliqué, on va parler des headers. Donc headers est égal, donc $simple from 2 points, mettre un espace, guillemets simple, $nom. Alors c'est un peu barbare, hein, je vous l'accorde, je vous expliquerai ensuite à quoi ça correspond. $mail. On concatène tout cela comme cela. Point. Et ici on fait un anti-slash. R anti slash n, et voilà, donc c'est pas fini, on continue avec le headers. Donc en fait, pour continuer une variable où nous allons stocker quelque chose, il suffit de faire un point et un égal, donc c'est à dire qu'il prendra en compte la première ligne, donc qui sera stocké là, et on lui dit on rajoute encore quelque chose, donc point égal. Tu continues à enregistrer quelque chose dedans.
on met un reply to pour répondre à deux points, le point dollar mail, donc point, hop, comme cela, point, donc, comme tout à l'heure, un anti slash r, un anti slash n, on ferme cela. Et ensuite, un dollar to. Alors là, évidemment, dollar to, ça va être pour adresser le mail à qui. Donc évidemment, c'est pas une variable. Donc là, vous mettez directement, évidemment, votre propre adresse. Moi, je mets la mienne pour faire nos tests tout à l'heure. Et voilà. Donc, ah, j'ai oublié un petit égal, excusez-moi. Hop, comme cela. Donc, je vais vous expliquer un peu à quoi cela correspond. Donc, le dollar post nom. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ça contient la chaîne de caractères qu'aura saisi le visiteur dans le champ. Donc, le input nom. Donc, le ID est égal à nom. C'est ça qui correspond au post nom, tout simplement. Donc, nous stockons ce qu'a tapé l'internaute dans une variable $nom. Donc pourquoi on fait ça? C'est tout simplement ensuite qu'on va utiliser plutôt cette variable $nom plutôt que toute cette variable qui est un peu barbare. Donc après ça fera du code pas très lisible. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le UTF-8 decode, en fait ça va décoder la chaîne $post-nom en supposant qu'elle est au format UTF-8 et la convertie à l'ISO. Donc en fait, tout simplement, ça va éviter des problèmes quand on reçoit un mail. Vous savez, pour les caractères spéciaux, des fois, il y a des petits bugs. Donc, c'est cette fonction qui va permettre de décoder notre chaîne de caractères. Donc, nous faisons évidemment la même chose pour tous les autres champs. Donc, le post email, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ici, le input type qui est un ID email que nous stockons dans une variable $mail. Nous faisons la même chose, le post sujet qui correspond à ceci. Nous le stockons dans une variable $subject. Nous faisons la même chose pour le message. Alors ça, comme je vous disais, les deux lignes là un peu plus barbares. Alors en fait, à quoi ça sert? Il faut aussi ajouter en fait l'entête de notre mail. Donc cela va nous servir à avoir les différentes informations sur l'expéditeur du mail. Nous entrons donc le from et le reply to, donc pour que l'on puisse obtenir automatiquement l'adresse mail du contact avec aussi son nom, et pour que en cliquant sur répondre dans notre logiciel de messagerie, on ait directement son mail. Comme ça, on n'a pas besoin de faire un copier-coller, etc. Et comme je vous ai dit, le dollar to, c'est tout simplement l'adresse vers laquelle nous voulons envoyer notre email. Donc il ne nous reste plus qu'à envoyer notre email si l'internaute évidemment a bien rempli le captcha, ou alors on va lui dire que le code du captcha n'est pas bon. Donc pour bien comprendre, on va effacer complètement toute la boucle, on va le refaire. Donc entre eux, bien sûr, nos balises PHP, donc qui sont ici et ici, nous allons taper if entre parenthèses $_post. Donc, entre crochets et petits guillemets, je vais fermer ça tout de suite. Donc, on met captcha, ensuite égal pour voir s'il y a une équivalence. $_session, entre crochets et petits guillemets, captcha, et nous fermons nos crochets, notre parenthèse, et nous ouvrons la condition. Pour être sûr de ne pas l'oublier, on la ferme tout de suite. Donc là, pareil, hein, je vous explique tout de suite après à quoi tout ça correspond. Donc nous utilisons la fonction PHP mail. Donc mail $to. Ensuite $subject. Ensuite nous avons $message. Et enfin le $headers. On ferme la parenthèse et notre point virgule. Donc on va
aussi mettre un petit écho qui veut dire écrire, hein, afficher. Donc, bah, évidemment que le message, votre message a été envoyé. Voilà, mais il faut aussi faire le cas contraire où le captcha ne serait pas bon. Donc ici, nous mettons un else, donc qui veut dire sinon. Donc nous n'oublions pas non plus de le fermer tout de suite parce que ça arrive souvent de l'oublier. Nous allons mettre un echo, le captcha entrée est invalide. Nous allons mettre un petit retour quand même au formulaire pour lui demander de le retaper. Donc on met un href slash index.php. Hop, nous mettons comment c'est. On ferme notre A, on ferme le guillemet simple et le point virgule. Donc qu'est-ce que cela veut dire, tout ce code-là? Donc c'est assez simple, nous commençons par poser une condition. Nous vérifions que le chiffre entré par l'internaute, donc le chiffre entré par l'internaute, donc le poste captcha, est égal à la variable de session captcha, donc, que nous avions créée ici. Donc nous regardons tout simplement s'il y a une correspondance. Donc, s'il y a une correspondance, bah, nous envoyons notre mail. Donc, on utilise ici la fonction PHP mail afin que le message puisse partir. Donc, nous renseignons différents éléments dans cette fonction. Le destinataire du mail, c'est-à-dire notre dollar to. Le sujet du mail, notre dollar subject. Le message envoyé, notre dollar message. Et l'entête du mail qui va être le $header. Donc toutes ces variables, $to, $subject, $message et $header, nous les avions définies un peu plus haut dans notre code. Donc ensuite, le else, donc, et comme je vous l'ai dit, qui signifie sinon. Donc on dit que si l'internaute n'a pas bien recopié le code, nous l'invitons à recommencer. On lui dit le captcha entrée est invalide. Recommencer, donc avec un petit lien sur le recommencer pour revenir au formulaire. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à tester tout cela. Petite chose avant, parce que c'est vrai que l'envoi de mail en local est assez délicat, je vous conseille de toucher au PHP INI quand vous êtes sur les IPHP. Donc il est assez simple à trouver. Nous allons donc dans le dossier EasyPHP, dans Apache. On va ouvrir le PHP INI. On fait un CTRL F. On fait un SMTP. Donc, pour rechercher donc, où se trouvent donc, les paramètres SMTP. Donc, là, il faudra remplir donc, le SMTP de votre FAI. Donc, moi, je suis chez Free. Donc, j'ai tout compris. Et en plus, donc, on le met ici. Donc, vous mettez Orange. SFR, que votre FAI, le port 25, et vous pouvez mettre un send mail from. Donc moi j'ai mis mon adresse Gmail, mais bon, après ça c'est moins important, c'est surtout ces deux lignes qui sont importantes, donc le SMTP et le port. Donc n'oubliez pas de faire ça parce que après vous pourriez avoir certains problèmes. Voilà, on vérifie que toutes nos pages sont bien enregistrées. Ok. Et ok, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à tester le formulaire. Donc, on fait un petit refresh. Donc on va mettre email. Notre email, je vais mettre un coupon @free.fr. Sujet, on va mettre demande de devis. Hop, le message, nous allons mettre. Bla, c'est pas trop grave. Donc on va tester dans un premier temps quand l'internaute entre le bon captcha. On fait envoyer. Donc il nous dit que le message a été envoyé. On vérifie, on relève le courrier. Et là,
nous avons la demande de devis, donc avec dupont@free.fr, avec la demande de devis comme sujet et le texte, blablabla, c'est parfait. Le formulaire fonctionne. Nous allons quand même vérifier si l'internaute entre un mauvais. Donc là, on va mettre n'importe quoi. C'est juste pour faire un test à la IRAL parce qu'évidemment, j'ai pas mis un arrobase. Donc message. Et si on entre un mauvais chiffre, envoyé. Le cache entrée est invalide. Donc le mail, évidemment, n'est pas envoyé. On invite l'internaute à recommencer. Donc c'est parfait. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez me les poser donc à l'adresse hugo@teammate.fr. Donc nous essayerons de faire un prochain tuto PHP dans les semaines à venir. Voilà, à bientôt.